مرة الأسبوع الثامن مات فازن بريمير جروب A. Quel est le nom du polygone qui a trois côtés, trois angles et trois sommets? Un polygone qui a trois côtés, trois angles et trois sommets, c'est triangle. Quel est le nom de deux polygones ayant chacun quatre côtés? Yani, عايز deux polygones, كل واحد فيهم عنده quatre côtés. فعندنا losange et كاري. Quel est le nom du quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur et quatre angles égaux? Quatre côtés نفس اللونجر وكاتر أنجل إيجو سي كاري. Quel est le nom du quadrilatère qui a une paire de côtés parallèles? Parallèle يعني متوازي يعني كده. متوازي يعني اتنين في وش بعض زي بعض. بتقول عليه أنا شبه منحرف. Calculer l'aire totale de la figure opposée. L'aire totale ici. C'est 3, 1, 2, 3, fois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 3 fois 6 égale 18. Groupe 2. Répondez aux questions suivantes. Combien de côtés a l'octagone? L'octagone a 5 côtés. Écrivez le nom de deux polygones ayant chacun quatre côtés ou égaux en longueur. C'est ce qu'on a Hélène à fou, l'homme losange et carré. Numéro 3. Quel est le nom de quadrilatère qui a quatre côtés égaux en longueur, mais dont les angles ne sont pas égaux? Yani, côté à de bas, mais c'est l'angle, مش à de bas. Angle, il y a zawaïa, مش à de bas. Ça va être le losange. Numéro 4. Quel est le nom de la figure qui est devant nous, le losange? Calculez l'aire totale de la figure opposée. Il y a 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Alors 3 fois 5 égale 15. Répondez aux questions suivantes. Combien de sommets a l'hexagone? Hexagone, il y a un soudé au-delà. Combien de sommets? Il y a 6. Écrivez le nom de deux polygones ayant chacun quatre angles égaux. Ando et quatre angles égaux. Andi el carré et rectangle. Quel est le nom du quadrilatère qui a quatre côtés égaux en longueur, mais dont les angles ne sont pas égaux? Le second nom est faux, le roi losange. Quel est le nom du quadrilatère qui a quatre angles et une paire de côtés parallèles? Yani, ando, quatre angles, arba zawaya, et une paire de côtés parallèles, le huwa rectangle. Calculez l'aire totale de la figure opposée. Ici. C'est 1, 2, 3, 4, 5. 3, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors 5 fois 6, 30. C'est terminé. Bonne chance et au revoir.